tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur l'Aprilia RS, donc le pot d'échappement. Je vais changer ma cartouche parce que avec celle-ci ça coupe, problème de débit apparemment et de réglage carbu, donc je suis trop riche et mon pot il coupe tout le temps, sans arrêt, c'est pénible, enfin surtout à bas régime quoi. Après à mi-régime elle prend ses tours au régime, je pense qu'elle est trop riche aussi. Mais cette cartouche, elle me chagrine. Ça marche mieux sans cartouche qu'avec. Alors, faut que je change le système parce que c'est pas possible. Alors, démontage et puis on voit pour la suite ensemble. Bon, alors pour ma cartouche SCR, je pense que c'est rien à faire. Du coup, je vais repartir sur la cartouche d'origine. Ce que je vais faire, je vais sauter le système de mitraillette à l'intérieur de la cartouche d'origine. Je voulais mettre un full tube et puis mon père m'a dit non rien en fait, là c'est forcément en fait parmi eux-mêmes. Donc en fait c'est plus un financier, c'est pas un résonateur. C'est pas mal. Mais ça m'a permis un petit peu de me faire la main au niveau de la figure. Donc un petit coup de tube, un petit coup d'art. Il a fallu mélanger les deux, j'avais tendance, c'est un pot inox, j'avais tendance à percer la fine plaque d'inox, mais ça s'est bien passé quand même, on a réussi. Donc là au début j'étais parti pour essayer d'enlever que le contour, pour garder un maximum de tubes et compagnie, et au final je vais tout tronçonner, tout sauter, et puis ressouder directement le reste de la cartouche partout. Je suis obligé de changer le disque, il est trop court, j'arrive pas à atteindre le tube à l'intérieur. Bon, j'ai changé le disque, j'ai remis un coup de disqueuse. Théoriquement, j'en viens à bout. Oh non! Qu'est-ce que c'est? Un pignon de contour, frère! Quoi? Frère? Je suis en train de virer là. C'est le pignon d'entraîneur du contre-tour. Comment il est arrivé là, ce truc? Bah il a pété. Puis il a en miettes. Il a passé à travers le cylindre et il s'est retrouvé à l'échappement. Non, on fait de ses trouvailles, mes amis, là-dedans. Bon voilà, alors je viens de finir de ressouder la cartouche. Bon, du coup, j'ai rien mis dedans. C'est une cartouche qui fait joli, puisque ça marche très bien sans cartouche. Alors on va rouler comme si on était sans cartouche. Voilà, donc là, je vais finir de meuler. Et puis, voilà, on verra après ce que ça donnera une fois sur la tomobilette. Voilà, tourne. La tire en première. Bon, alors là, à savoir, j'accélère un fond. Donc, je pense que je suis trop riche. Complètement trop riche. Donc, à voir. Peaufiner les réglages, baisser le gicleur ralenti, baisser le gicleur principal.
voir les bougies, mais c'est une catastrophe. De plus, la cartouche qui me bride un truc de dingue, parce que la laine de roche, elle est pleine de, elle doit être pleine de calamine. La cartouche, elle pèse 15 kilos, elle fait que casser. Donc, je préfère faire mieux. C'est mieux de la changer. C'est un calvaire, je mets ma vie à revenir. J'aurais pas cru. Sur la vidéo, ça rend vraiment, on voit vraiment que voilà comment j'arrive à trouver mon réglage, purement et simplement la réaction du moteur et du véhicule. On peut constater déjà que ça va relativement plus vite. Bon, j'avoue, j'ai fait une petite coupure, mais même quand même. Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo parce qu'en fait j'ai pas de chance. Donc j'ai fabriqué ce pince magnifique, non, ce petit pot. En fait j'ai récupéré mon pot Voca qui était cassé là. J'ai soudé un tube de fuite Yasuni, auquel j'ai soudé une cartouche d'origine, mais complètement vide en fait. Donc je vous laisse apprécier. Donc de ce côté-là, le moteur est bien réparé, pot d'échappement aux petits oignons. J'ai bien réussi à finaliser comme je voulais. Et là, je m'aperçois de quoi ce matin en partant au travail? N'y a plus de frein avant. Alors je ne sais pas du tout pourquoi, parce que je n'ai pas repéré de fuite au niveau de ma durite. Par contre, ça a l'air d'être un peu gras au niveau du mat cylindre. Comme mon guidon est un peu tordu, est-ce qu'il a fui par quelque part? Va falloir que je vérifie tout ça. Est-ce qu'il est pas fissuré quelque part? Que je le change éventuellement. Parce que les plaquettes, bon, je pense pas qu'elles soient usées. Pas plus que ça, non. Elles sont neuves devant, comme à l'arrière. Normalement, j'avais fait les deux. Donc du coup je suis un petit peu dégoûté quoi. Voilà, parce que après une hop là, désolé, après une semaine de travail acharné à remonter les trois petits moteurs qui sont là, et plus celui-là plus celui de Lucas, ça fait 5 moteurs en 5 jours. Enfin on les a fait sur 3 jours, donc on a étalé presque à 2 par jour. Merci, bonsoir. Tout tourne bien et voilà quoi. Du coup voilà, et puis bon, je voulais refaire tout ça aussi parce que ça me convient plus. Va falloir que je me penche sur la question, mais déjà régler ce problème de frein avant. Je voulais essayer de remettre mon stop aussi, j'ai plus de stop à l'arrière. Je pense que le contacteur là il est foutu, les fils ils doivent être pas mieux, donc va falloir que j'y fasse encore quelque chose. Et voilà quoi, mais j'en vois pas le bout.
ça fait bientôt un an que je suis dessus, et plus je fais d'un côté, plus ça part en couille de l'autre. Donc je sais pas si je vais pas changer ma partie cycle, ça commence à m'agacer. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Sinon, je vous montre en 2-2. J'ai une partie cycle là, mais j'ai pas la carte grise, donc sinon faut que je récupère la fourche, que je la mette sur l'autre, éventuellement étrier double piston, ça serait un peu mieux. Qu'avoir peut-être que je fasse un hybride. Sinon j'ai un DT. Le DT il y a un sacré taf, il est vraiment en sale état. Ça peut être pas mal aussi une fois refait. Donc je sais pas. J'ai aussi une partie cycle de Réju RS1, Castrol Edition, le manche à balai comme elle l'appelait Lucas. Et pareil, va falloir que celui-là il est à mon nom, j'ai la carte grise, j'ai la plaque. Faudrait que je pourrais aussi éventuellement le remettre en route, rouler avec celle-là. Donc voilà, j'ai le choix entre trois parties cycles. Le plus pratique pour moi, ça serait bien entendu le Réju, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire dessus à part lui swapper le moteur et l'échappement. Et quelques éventuellement même les carénages de celle-là, il devrait se monter dessus. Donc je peux même presque swapper toutes les. La coque derrière, tout, la selle, le réservoir, la bulle avant, tant qu'à faire, j'en remets une neuve, comme j'en ai une là. Soit je remets celle-là, sinon je me tâtais de la mettre en street, avec le phare rond que j'avais prévu pour le TSE. Du coup, j'ai pas envie de faire un TSM, je préfère la garder en cross, celle-là. Donc je pourrais mettre le phare rond devant, pas mettre de carénage sur le côté, laisser le réservoir et la coque derrière. C'est une idée aussi qui me traverse la tête, alors je sais pas. Essayez de m'aider. J'ai trop de choix en fait, il y en a qui n'ont pas le choix. Moi j'ai l'avantage d'avoir trop de choix et ça m'agace. Donc voilà. Bon, et ben je vous dis à plus tard, je vous fais un petit montage vidéo avec d'autres vidéos qu'il y avait avant que quand j'ai fabriqué le pot. Enfin voilà, je vous fais un petit montage aux petits oignons sympa comme vous avez l'habitude. Et puis je vous mets tout ça demain peut-être ou ce soir. On verra. Allez, ciao. On est lundi, premier jour de travail. La déprime les gars. En plus, la déprime, ça, la moto, plus le travail. Non, je suis content, ça me manquait. 3 semaines, ça faisait long. Vraiment, ça faisait vraiment très long. Donc voilà. Allez, je suis en bataille avec le soleil parce que je sais que. À contre-jour, la caméra c'est noir un peu, alors il me semble que c'est comme ça. Si je me mets dans l'autre sens, vous y verrez. Bon, alors déjà je démonte et qu'est-ce que je constate? Il n'y a plus de Lookid. Et pourquoi il n'y a plus de Lookid? S'il n'y a plus de Lookid, c'est que ça a fui. Si ça a fui, c'est que ça a fui. Ouh, mais qu'est-ce que je vois là? Si ça a dû fuir, là, la durite était toute grasse, elle a dû se couper au tête fourche par là. Ou en tombant, en braquant, je l'ai peut-être pincé. Je sais pas. Je vais voir, je vais la faire passer différemment, je vais la changer. Et on se retrouve après. Bon, du coup, on peut voir, le liquide de frein, il a quand même coulé sur mes bâtons de fourche. Donc je vais dégraisser quand même un peu. Parce que le liquide de frein, c'est réputé faire des trous dans les chaussettes. Je voudrais pas que ça mange les joints speed fourche. Qui eux, jusque-là, n'avait pas l'air bien quoi. Ouais, je sais, j'ai mis du spray sur le faisceau. Ça sent le faisceau électrique, il est tout à refaire, il est tout à revoir. Il y a pas mal de court-circuits partout, de fils coupés. C'est un carnage, j'y connais pas grand chose en électricité, c'est plus compliqué que la mécanique pour moi. Voilà, donc du coup, bah, je vais regarder ce qui se passe là-bas. Alors voilà, le procédé il est simple, démonter cette vis, il n'y a même pas d'écrou dessous. Et là c'est tendu. Bon alors du coup j'ai repéré une fuite au mètre cylindre et je me suis rendu compte que ça fuyait vers le piston. Donc pourquoi, comment, je sais pas, je me suis pas pris la tête, j'ai changé le mètre cylindre complet et la durite.
J'ai plus une durite d'aviation, j'ai remis une durite d'origine et ça va très bien. Voilà, et de pouvoir voir ce qui se passe au niveau du piston, s'il y a un joint torique qui a craqué ou quoi. Ça permettra de savoir d'où vient la fuite. Alors, pas perdre toutes les petites rondelles, le petit téton qui sert d'embout, le vis. Alors, qu'est-ce que je vois? Ben, je vois rien. Pourquoi? Pourquoi qu'il fuit, lui, alors? Il n'y a pas un cerclipse, normalement. Hein? C'est le cerclipse qui aurait sauté? Peut-être bien. Ce qui fait que le piston, il revient trop et laisse échapper du liquide, parce que les joints m'ont l'air en bon état. J'ai vu qu'en l'actionnant, qu'il faisait son boulot. Donc tout a l'air bon à l'intérieur. J'y vois rien, je dois vous l'avouer. Je croyais que c'était un mythe, moi, l'histoire du trou. Bon, je vais chercher une lampe. J'ai beau y mettre un coup de lampio quelque part, dedans, je vois rien de spécial, de suspect. Par contre, c'est bizarre, je vois pas d'encoche pour tenir le clips, le circlips, pour tenir l'ensemble. Comment ça tient, ça? C'est bizarre. Je vais peut-être changer le mètre cylindre, hein, par précaution. Voilà, donc maintenant que c'est démonté, j'en profite pour y mettre un petit coup de trop. Ouais, je me casse pas la tête, hein. On va quitter les 40 générales. Si vous avez de l'essence, ça marche aussi. Les plaquettes, j'évite. Hein. J'en ai mis un peu, mais c'est pas le but, hein, tant qu'à faire. Parce que dès qu'on fout les mains là-dedans, on est tout noir jusqu'aux épaules. Ça commence à me taper sur le système. Alors maintenant, avant de démonter quoi que ce soit, j'y nettoie. Bon, ben, mauvaise nouvelle, j'étais obligé de remonter mon ancien étrier avec donc, du coup, l'autre mètre cylindre. Ça, je vais y enlever. Je sais pas encore comment, mais je vais y enlever. Et avec l'autre mètre cylindre, j'en ai profité pour enlever ma poignée, puis du coup je vais redresser, oh putain, je vais redresser et repeindre ce bout de guidon tout pourri là. Tant que j'y suis, maintenant que c'est fait, j'avais tout enlevé. Donc du coup voilà, poignée de frein, mètre cylindre neuf, il y aura un contacteur neuf aussi, tant qu'à faire, j'ai piqué sur l'autre. En plus j'ai plus de liquide, alors comme ça je ferai mon niveau avec celui-là. Et puis voilà, bon, bah, on se retrouve après. Bon, bah alors voilà le rendu final, du coup, les deux bras de guidon redressés, repeints, tout refixé, le frein qui fonctionne bien. Voilà, l'embrayage, pareil. Bon, là en remontant, j'ai cassé du coup la bague, du coup j'ai fait tenir avec des colson, parce que j'ai vraiment pas de rechange pour le moment, donc ça restera comme ça. Et voilà. Normalement, c'est parfait. Bon, alors, du coup, on se retrouve. Bon, il est tard, hein, il est bientôt 23h. Donc, ça y est, c'est fini. Comme vous avez pu le voir à la fin de la vidéo, j'ai tout remonté. Bon, j'en ai cassé la moitié en remontant, mais c'est pas grave. De toute façon, ça avait pris des pètes, donc ça devait être fissuré, fragilisé. Donc, le mètre cylindre qui fuyait. Donc, j'ai réfléchi après, je pense que c'est ma vis de garde de poignée qui s'est desserrée. Et du coup ma poignée revenait trop, et ce qui fait que mon piston revenait trop, comme le piston du mètre cylindre, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de circlips, il n'y a rien, c'est la poignée qui sert, la garde de la poignée qui sert d'arrêtoir, de butée. Donc du coup je pense que la poignée elle est revenue trop, et du coup ça a fui, et c'est tout simplement ça. Donc je sais que si besoin je pourrais le réutiliser, c'est déjà une bonne chose. Quoi d'autre? Je voulais vous remercier pour avoir suivi cette petite vidéo. Vous dire au revoir pour une fois de vive voix, et les yeux dans le flash, ou le flash dans les yeux, comme vous voulez, pour changer un petit peu de la voix off de fin de vidéo qui est pas très sympathique, je trouve.
Désolé pour le regard, mais vraiment le flash, ça me détruit. Voilà. J'espère que vous penserez à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées, des conseils pour ces mobylettes qui traînent. Je sais plus quoi en faire, j'en ai tellement. Donc voilà. Merci à tous. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao la famille.